Donc, Madame Kamoun Radia, Gourmandise. Nous avons un nouveau concept qu'on lance sur Gourmandise. Nous avons les rencontres culturelles. Donc, les rencontres culturelles, nous avons un écrivain, Sisleh El Aïechi, Mensoussa, qui a écrit un très beau livre sur Sousse. Un très beau livre, qui a plutôt Si Sousse m'était compté. Et pourquoi la culture? Pourquoi Sousa? La culture, parce qu'on voudrait vraiment encourager la culture, parce qu'on voudrait s'associer à la culture. Et pourquoi Sousa? Le magasin de Sousa a une très belle terrasse et il se prête à ce genre d'événement. Ahna Lyouma fi Sousa pour lancer un nouveau produit, des coffrets faits main. عملناهم avec des gens de l'artisanat باش نحطوا فيهم des produits gourmandises, des produits du terroir qui m'a nos gâteaux tunisiens ولا l'épicerie fine, عندنا الشمايه وعندنا الزيت. Donc هذوما الكل dans le coffret, ça fait un très beau cadeau de fin d'année. Tunisien et purement tunisien. علاش اخترنا باش يكونوا des coffrets faits main ou artisanal? On veut encourager au maximum le travail tunisien. On veut encourager les gens qui travaillent dans le hajet belied, hajet artisanal. Comme ça, on les encourage pour avoir déjà du travail et pour mettre en valeur le produit tunisien. On va oublier de l'artisanat alors que c'est de très beaux produits. On a reproduit des faïences, du carrelage dans des coffrets, et on a reproduit clim dans des couleurs bordeaux ou à la dorée qui rappellent un peu aussi, pas très loin de notre logo, donc en doré. Et ça fait un bon mélange pour encourager le produit tunisien et pour offrir un excellent cadeau qui aussi est un produit purement tunisien, qui est la hlou, la chamay, la zit. Sisleh Aïechi, co-auteur et éditeur du livre Si Sousse m'était compté. Il y a un kitab à Sousse qui parle de l'histoire de Sousse. Mais l'événement, c'est que Madame Kamoun, grâce à elle, disons que la culture est venue chez Gourmandise pour être en contact, disons, avec les jeunes et avec le côté économique du pays.